Eh bien bonjour tout le monde, c'est Skydiz et aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 4 de Life is Strange qui est donc l'épisode 2 in-game, dans le jeu c'est l'épisode 2 et dans mon let's play sur ma chaîne c'est l'épisode 4 et rappelez-vous on s'était arrêté la semaine dernière ou il y a 2-3 jours, je sais pas quand je vais mettre la vidéo, je verrai ça comme d'habitude, elle sera sûrement en retard comme d'habitude, hein. Vous allez encore gueuler, ouais elle est pas là la vidéo Johan, qu'est-ce que tu branles, bon bah voilà, et le feu de camp pour la bouteille était là. Là, c'est tout étroit, attends, c'est aussi dur, ça me rappelle les feux de camp à trouver dans Lara Croft 2013, le dernier Tomb Raider qui est sorti du coup, et c'est le même feu de camp, c'est aussi, oui ça va tomber, j'ai remonté, faut remonter le temps, je vous ai pas montré ça parce que c'est juste après une bouteille, c'est pas super intéressant, faut aller là pour trouver un feu de camp, elle a dit c'est là où des gens feraient la fête, donc des gens ils sont plusieurs, si t'en gros faut au moins 3, 4, 5 là-dedans, mais c'est nul, t'es super près du feu en plus, ça te crame. C'est débile, hein. C'est pour ça que j'ai cherché partout, partout, et là il y a un truc qui tombe, ça s'est tombé, mais qu'est-ce, ça a attiré mon attention, mais... oh mon dieu, là c'est marqué feu de camp, je vois la bouteille derrière, aussi dur à trouver que les feux de camp de Lara Croft. Bon, pas aussi, parce que c'est assez simple de trouver les feux de camp de Lara Croft, mais voilà, c'est un peu, il y a des endroits, des feux de camp dans Lara Croft, dans le Tomb Raider 2013, qui sont un peu comme ça des fois, ça m'a rappelé ça, ça m'a bien fait rire. Bref, mes amis, je me suis dit, je vais aller voir une solution pour ça, mais tout le monde est bloqué au même moment. Où est cette putain de bouteille? Et tout le monde est dernier topic daté de 5 minutes, donc j'ai mis un commentaire sur un forum et j'ai mis la cinquième et à côté de la petite cabane avec toutes les voitures empilées, une jambe tombera et ça attirera votre attention. Et du coup j'ai eu des réponses, ils l'ont trouvé, donc je suis content pour une fois que je trouve une solution dans un jeu, c'est nouveau. Hein. Franchement à chaque fois c'est moi qui cherche une solution et là je crois que je vais choquer certaines personnes dans ma vie là, quand je vais dire ça. Je trouve une solution à un jeu, je l'ai partagé. Toi t'as trouvé une solution à un jeu? Oui j'ai trouvé. Ah mon dieu. Donc j'espère que ce sera normalement, ce sera la dernière partie parce que le jeu ne dure pas de 3 heures grand maximum, enfin si on va un peu partout. Bon moi c'est surtout pour l'esprit, après je referai le jeu à moi tout seul quand les épisodes sera sorti et puis je m'achèterai la version boîte du coup parce que normalement ça doit être prévu je pense. Hop, je lui donne les 5 bouteilles enfin. Thanks Max. Ah enfin. One more for the road. You're serious about this? We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Okay. Max, you have to help me aim. Huh? Show me the way, Max. Bah, comment? I need to see you shoot first. Bah, elle est nulle! Ah d'accord, ok. Vers la droite du coup. Aim a bit to the right. Sir, yes, sir. Voilà! C'est GG! Oh, yes! Did you see that? Mais ouais! Duh. That was so fucking cool. Ah trop. Now for the second bottle. Ok. Now Max, where do I aim? You're on target. Pull the trigger. Bah tire en même temps. Elle vient de tirer au même endroit ou je rêve? Now Max, where do I aim? Bah vers la droite. Aim a bit to the right. Beep, beep. Laser tracking on. Quoi? T'as fait du caca? Attends, je veux juste revoir. Ah, t'as tiré trop à droite. Alors. Now Max, where do I aim? Tiens vraiment vers la gauche du coup. Aim a bit to your left. Chloe Bond has got this. Chloe Bond. C'est bon, tu l'as eu? J'ai pas vu. Non. J'aurais pas dû bouger la caméra, je sais mes amis. Ok, à tirer. Got this. Plus en haut du coup maintenant. Now Max, where do I aim? Bah du coup plus en haut, vers le haut. Aim slightly above. Ouais. Right between the eyes. Bon, entre les bouteilles. Voilà, c'est bien, ma Max. Watch out. Ma Chloé. Now that is fun.
Let's pump up the volume and find me another target. I want to get creative here. Attends, je te ramène les 5 bouteilles, tu prends les 5 bouteilles. tu tires les 5 bouteilles. Give me something to shoot, Max. Ouais, tire-le. Let's see you take a crack at that rusty barrel. J'ai peur que ça explose. Sorry, Mr. Barrel, your time has come. J'ai peur que ça explose. Oh! Listen to those fat bullet beats. Ah, je sais ce qu'elle veut faire, ok. Hello, what should I shoot? Bah tire là. I bet you want to blow apart those old computer monitors. Faut que ça rebondisse sur une des bouteilles, c'est pour ça. Non. C'était un peu nul. C'était nul ce que tu m'as fait là. Parce qu'en fait, j'ai un peu peur de me buter, tu vois. J'ai un peu peur de me buter. Since you won't play, I'm gonna shoot this barrel. Yawn. C'est ce que j'avais vu. Je m'en fous, t'as pas à gérer du tout là. Je suis obligé de rewind. Hello, what should I shoot? Bah tiens, sergente. Let's take out this wheel rim on your left. Taking out the wheel rim now? Ouais. Oh! Oh! Woo! Nice shooting, Tech. Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like never. So I want one more uber cool trick shot. How about trick shot? Junker for a target now. Dude, I need a target before I shoot. On va éviter un réservoir d'essence, hein, donc, du coup. Well, Max. Bah, le pare-choc. Ça m'étonnerait par contre. Bumper. Je vais être sûr. J'en étais sûr qu'à un moment elle allait se tirer dessus. Ça c'était sûr, mes amis. J'avais prévu. Non. Ah. Tu retires pas dessus, hein. D'accord, voilà. Max. On va essayer là. How about aiming for the left tire? Adios, spinning wheel of death. Allez! Oui! Oh là, mais non! Oh putain! Bah c'est bon, ici. Trop la classe. Je tac. T'as failli mourir, trop la classe. My best friend is a superhero. Now it's your turn to bust a cap. I don't know. Ah voilà. Max, your nose. Damn. Faut pas trop utiliser. Voilà, j'en étais sûr. Oh là là. Max qui doit détruire la ville. Comme elle l'avait dit dans l'épisode 1. Ah, à force de trop utiliser, je pense que. You freaked me out there. Do you feel any better now? A little. Thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Oui, c'est bien, tu t'amuses, mais fais attention à toi. Fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. Ah, j'en étais sûr, c'est dangereux, j'en étais sûr. C'est bien qu'ils ont mis ça, bon, et on discute. Ok, looks like you're ready to lock and load. Yes! I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boohoo, Max is afraid. I know you can handle this, and I'm here to guide you. Make me proud, sister. Oh, des bad guys. Hey, it's Thelma and Louise. Or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Ah, c'est le mec du bar. Sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money.
In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend, and it's none of your goddamn business. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Ah, c'est le bracelet de Rachel. Yourself, all right, it was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please step back. You're kidding. Put that down. J'aurais pas tiré. J'aurais pas tiré. Come on, girlie. Shoot me. À part s'il me tue, je rewind. Ah, Christ. You're more like Abbott and Costello. Nice piece. I'll consider this interest on your loan. Thanks. You have until Friday to pay me, or I'll track you down with this interest. Have a good play, kids. You really stood your ground. I freaked. I don't like guns. It'll be hard to keep Nathan off my ass. My step shit will have his other gun sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe. I've never held a gun on a human being before. Not cool. I know, Max. Really. I'm actually relieved it worked out this way instead. Bon, bah oui, c'est mieux. And there are more guns out there. Désolé. Let's blow. Mon casque est parti. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Oh man. Frank took Chloe's gun because of me. C'est juste le gun de Chloé, hein. Je pense que ça pourrait pas trop lui servir, hein. C'est bon, c'est... C'est pas la... franchement, c'est pas la mort, hein. Je vous en prie. Why did Frank have Rachel's bracelet? C'est ça le truc. Chloe's waiting to go for a walk. We both need a time out from here. Allez, viens, on y va. J'aime beaucoup cet épisode. I can't believe you basically gave him my gun. Here you go, Frank. You can't keep getting mad at me. Especially for stupid shit. I'm not mad. It adds up in my mind as people letting me down. And I just liked having that gun, man. Now you have me to protect you. I'm just glad you were here. Me too. I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Ah bien, on va en savoir plus sur elle. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. C'est classe comme ça. Can we build another pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? Je vais faire Frank. Seriously, Chloe, this is scary. What if Frank tries to track us down? I'm sorry, but Frank isn't as hardcore as he fronts. Bah, j'espère. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, are you for reals? Frank just took your gun and threatened us. He's armed and clearly dangerous. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers, he's just a dealer, where I get my weed. The one in your joint, remember? Anyway, I kind of know. Commence à traîner. Hung out. You don't mean you... Ah, oh, no, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried. Ah bah, il est moche, surtout. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? Je vais faire attention. I think we have to be careful ouais, and keep an eye on this guy. Without him eyeballing us, okay? Ouais, en secret. It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens, and it's like no time has passed.
I wish Rachel was here to meet you. Rachel et moi. Ah merde, j'ai fait start. Désolé. Do you think that Rachel and I would have been friends? You're not that different. She had has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Perfect. Ah ouais. Merde, encore. Waouh, on peut pas utiliser ce combat illimité. Hein. Là, on a des effets secondaires, c'est fou. Oula. Comment elle a pu se coincer? C'est une blague! What's that noise? The train. Merde! Tout un truc, Yohan! Là! Comme dans le thriller, parce que j'ai regardé le thriller. Oh, c'est une blague! I can't even move it an inch. Awesome, it's not locked. I better find the tool to cut those wires. Ah putain, c'est pas vrai. Un outil là. Ouais, ouais, attends, j'arrive. Allez. Oui, oui, je prends. J'arrive, j'arrive. Definitely use this bad boy. Oui. Ah, elle me fait flipper. I better find the tool to cut those wires. I need to pull the switching lever right now. I can't even move it with this crowbar. Quoi? Non, mais c'est une blague. Attends, attends, attends. Vite, vite. C'est une blague. Oh mon Dieu. Un truc. Et là, pied de biche. Voilà, c'est avec ça qu'on a besoin. Ok, j'en étais sûr. Allez. Y'a rien. Ah. Oui, y'a un truc là. Voilà. Ouais, c'est ça, t'es MacGyver. Fais pas trop la fière de... Allez, dépêche-toi! MacGyver, mon cul, ouais! Max, j'arrive, mon amour! Oh putain! Comment... Oh, comment la puce, comment c'est ça? Ouvrir, voilà, hop! J'y travaille! Pince! But which wire to cut? Ah bah génial! Cap jaune! Ça suffit? Ah! Ah, c'est pas possible! Tac, 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 voilà. Ça va tout le temps ouvrir. Pince. On va faire câble rouge. Now that's the right. Ah! Trop fort. Yes, I did it. Hey, hey! Woo, chaud. Bon, ça va. You okay? You saved me again. Crazy.
Now we're totally bonded for life. Ah, c'est moi qui le dis à toi plutôt. C'est toujours moi qui te sauve. That was close. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. Ah, parce que c'était quel matin, ça? Might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Oh, c'est mignon. En plus, on l'attendrait, Chloe, comme ça. Comme elle a fait pas mal de conneries pendant qu'on était pas là. Ouais, c'était que le matin, du coup, hein. Une heure et demie gameplay pour le matin, quoi. Right on time for my art lesson. Thanks for coming with me. Sorry to be so boring. Mais non, t'inquiète. Nothing exciting ever happens to us, right? Listen, your rewind power has to be connected to that snow yesterday. Ouais. That might explain your tornado vision. Je suis sûr que ça pourrait expliquer ça. Expliquer quoi? Explain what? Snow equals a ginormous twister that takes out Arcadia Bay? You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny, yours and whoever. Do you know about chaos theory? Qu'est-ce que tu sais? What do you know about chaos theory, Miss I Hate Math? 5 years ago, asswipe. Some people change. And your situation is the perfect storm for quantum physics. Wow! Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a tornado, rewind power, and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar! Like you said, Professor Price. A superhero needs a sidekick. Ouais. How can it be such a shitty week and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Ah, j'adore ce jeu. Oh là là. J'adore ce jeu, bordel de merde. Je l'adore. C'est un putain de jeu, c'est mon premier en 2015. Si je fais un top 2015 que je ferais, comme le top 2014 des jeux, un top 2015 des jeux, bah ce serait Life is Strange, ça c'est clair. Oh putain, il est trop bien ce jeu. Parce qu'il paraît la saison 2 est déjà écrite. Où il est en train de... Ah, elle a un peu de temps avant. Où elle est en train de s'écrire. Hein. Et le plus important, Remember Me, le scénario du 2 est totalement écrit, faut que Capcom dise oui et puis c'est bon. Ah, toi, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Oh, hello Max. I hope this isn't about the alleged gun incident. Non, c'est pas pour ça. Non, voilà. No, never mind. Glad to see you weren't about to accuse another student of something or other. Now, if you'll excuse me. Connard, va crever, pardon. Hey, comment t'es moche. Surveille son quel territoire. Oh. Max, can we talk? Ah, pas toi. I know things got a little heated yesterday in Chloe's room. Was that really your reefer? Oui. Yes, défend. It was. You know that marijuana is almost legal in Oregon. I can get it at Blackwell. Are you gonna bust me now, Mr. Madsen? Et tu dis oui, fin du game. And I am sorry about yesterday. Wow. I was wrong, but upset. Cannabis is not a big deal to you, but it has been to Chloe. You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. Ah, d'accord. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. À propos de Kate. What about Kate? You step between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Au moins, franchement, il s'est un peu excusé, quoi. You best not bother chatting me up now.
Je trouve ça, comme quoi il était désolé, ça, je trouve ça pas mal. Sit down. Je suis dans cette déchéance maintenant, je suis pas le chat de Strugger. J'arrive tout de suite. Salut ma belle. I could go see Warren playing mad scientist in the lab. Attends, mais j'en connais ça. Skrillex. Luke is always using the phone as a shield to avoid people. Une sorte. Attends, on va écouter. Ah, ça a changé. On a des Skrillex. Lui que je connais. Ah, non, c'est pas celle-ci. Waouh, ils sont super amoureux. Juliet is laying the smack down on Zachary. Excusez. Yo, yo. Maxwell Smart. Talk later, cool? Ok. You can't help me. I'm trying. Je vais voir ça juste après. Il faut que j'aille en salle de science. Voilà, elle est là. Juste faire ça avant. Hey, ça va? Hey Warren. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silver Hammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Je sais pas. Alors, pour vous dire, mes études se sont arrêtées en troisième. Après, j'ai commencé à bosser. Ah, potassium. Je sais pas, ça me dit quelque chose. Why you're letting me decide your fate, but go potassium. Potassium it shall be. If this works, you get a free hug. Bah, j'espère que ça va pas marcher. Ça va marcher. Weird science. Attends. J'ai envie de voir ce qu'il peut me dire aussi. Ah, voilà. Can't be that hard. Hey Warren. Maxwell. Hop, voilà. Have that. Alors. Sodium. I have a vision. Go. Godium. That's the worst pun I've ever heard. Yet Max has spoken. Voilà qui, voilà. Sodium Inspecteur Gadget. Ça va être bon. Damn. Zip. Nothing. Nada. Tu fais chier. Bring me the brain, Igor. That's a minor fail. I give up. Bah attends. Attends, c'est bizarre ton truc. Mais c'est super bizarre. Y'a aucun des choix qui marche. Hey Warren. Maxwell. Asking me. Plein de potassium, on recommence. I actually think you should use a lot of potassium. I mean, a shitload. Ah oui, peut-être beaucoup plus. You're going to become a scientist yet. Let's do this thing. Bon. She blinded me with science. J'ai monté content. Yes. Voilà. It was a blast. But let's keep it a professional secret. Cool. Ok. Bon bah, c'est tout ce que t'avais à dire. Yes, that was a blast. But let's keep it a professional secret. Cool. D'accord, oui. Bon bah c'est bon, ça a marché. J'ai vu Kate un moment, mais. Sorry to bother you, Mr. Jefferson. I'm only bothered when you avoid turning in photos. But you know this. So what can I do for you, Max? Just between you and me, I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. David Mason? I stepped in between David Madsen barking all up in Kate's face about something. She doesn't deserve that. Of course not. Mr. Madsen isn't the most gentle soul. Do you have proof he instigated the situation? No. My word isn't good enough? The one time I choose not to take a picture. Ah! Always take the shot. My number one rule of photography. And Max, I promise this matter is being discussed by the faculty. J'aurais dû prendre la photo dans l'épisode 1. This viral video.
Ah putain! Parce que vous vous rappelez quand on l'avait embêté sans prendre photo sans LED. Mais sinon, bah Kate, on l'aurait laissé tomber. Ah, c'est chiant! Ce jeu a des possibilités! Ah! Tout le monde est au courant. Kate panique. Kate is freaked out by all of this. She can't do homework while she's being tormented on a daily basis. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Bah ouais, je vais parler. Oui, je vais parler. Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? Bah je sais pas, elle a disparu. With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. Nathan Prescott. It did happen. Nathan Prescott had a gun in the girl's bathroom yesterday. This is a serious accusation, Max. Bah ouais, c'est parce que c'est sérieux. Believe me, I would never make something like this up. I hope so, Max. But it's easy to point fingers. If Mr. Madsen claims you might be a pot dealer as he did, should I believe him? Listen, should I? Excuse me, Max. Hello. Yes. Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Yes. Les gens qui parlent au téléphone, Hey, c'est là. Stella is smart to stay out of all the drama. Ouais, peut-être. Dana, you are out of control. Turn left, then right. Show me the love. Wow, mais tellement bonne! I'm kind of doing something now, Max. No time to talk, Max. Posing in progress. Mais les fesses qu'elle a en plus, non mais c'est sérieux cette perso? Waouh. Sure she'll report us to the principal. No time to talk, Max. Art in progress. Or she'll run to Mr. Jefferson like he gives. Like anybody does. Max is such a little. Shh, I think she can. Quoi? Max de Lys. Quoi? Tu veux mourir? Tu veux mourir? We have a master snitch and liar here. Did you think we were best friends forever or something? Not at all, Victoria. Max is such an attention whore. You would know. Can I sit down now? Oh, please do. Take a selfie of this moment. Yeah, Max, so I won't forget you. Alors lui, jamais je pardonnerai. C'est un connard si je peux. Ah quoi, c'est clair, il a trouvé même mieux, les mêmes mots que moi. Franchement, si un moment de lui tirer une balle dans la tête, je tire une balle dans la tête. Voilà. Pardon. Ce mec est tellement un connard. Sérieux quoi. Oh, attends, non, faut aller la rejoindre. Je préfère quitter le cours. Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is. Quoi qu'avait fait quoi le pervers sexuel? Attends, faut fouiller. C'est mon prof sur la photo ou. Attends. Ah. Salut mon beau. T'es super beau. Hey Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say, and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit maybe down. I'm we have a lot to cover today, and so little time. Je sais que vous m'aimez, mais en gros, il doit dégager. See all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. Connasse! Not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student. Je décide moi. Or a friend. I wonder how it would feel to have false images of yourself out all over the world for people to judge. Usually, no smartphones in class, Max. Ah! L'enculé! il m'a vu. People need something to judge, so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for some of that. In the end, it's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. Ah. And we can only blame ourselves. Attends, c'est bien ce qu'il a dit là sur la télé-réalité. Attends, je veux voir ça. We can thank reality TV for ah voilà, alors attendez.
Il incite à la télé-réalité, c'est vrai. Oh, putain, enfin des gens qui sont intelligents. Juste là. Voilà. People need something to judge, so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. Wow, bien joué, gros. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Yeah. Who what you blah. I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in mind. Yo! Some crazy shit is going down on the girl's door. Ah, c'est comme dans le thriller. I'm not coming to my class like that ever again. Listen. Allez, salut. Everybody remain seated. Le prof avec trop d'autorité. Elle peut sortir. Ouais, ça doit être un problème avec Kate surtout, c'est pas bon. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais vas-y, dépêche-toi, toi! Ouais, c'est pas... Allez, cours aussi! Ah merde. Qu'est-ce que... Non, elle se suicide. Qu'est-ce que... Hein? Je vois pas d'ici. Non! Oh non! She can't die. She can't. Ah non! Non, non, non! Not again. Ah non, non, elle meurt pas! Non, 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 non! Ah putain, c'est de plus en plus dur à remonter dans le temps. Oh ah, mes amis. Qu'est-ce que... Non, non, non. C'est pas vrai. Il y a l'autre qui filme, quoi, sérieux. Faire quelque chose. Allez, Max. Keep going, Max. You... Je peux avancer dans... Waouh. Oh mon dieu, mais c'est beau! C'est quand même assez bien fait! Ah oui, je trouve ça très beau, moi! Ah oui! Dégagez. Faut que j'aille la voir. C'est très bien fait. Ah putain, vite, vite. Pourquoi tu prenais des photos, toi? Allez, faut que j'entre, là. Je peux avancer maintenant dans le propre temps que j'ai. C'est génial! Ça va ouvrir plein de possibilités de gameplay. Et je suis sûr si on leur aurait pas répondu, elle aurait sauté à tous les coups. Je suis sûr. Tu vas me dire, je veux dire, j'ai toujours été là pour toi et tout. Et si elle aurait pas répondu à son appel, elle serait morte, j'en suis sûr. Toujours aller dans les. Faire attention aux gens qui sont en détresse comme ça. Ça peut cacher des trucs très graves, comme le monde de ce jeu. Ce jeu est pris vraiment au sérieux. Je vous conseille. Hein. Ah non, non, non! Allez, vas-y, Max! What are you doing here, Max? Reviens! Stop! Don't come near me! Not now! It won't work! I don't have any power! Merde! I don't have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me! Ouah, j'ai pas. Je peux pas rewind le temps! Okay, okay. Oh putain! I'm right here. Kate, please. Oh Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Vous voyez? Mais si, ça a d'importance. Tu es importante. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours, and we can get through this. Mais oui, on peut. Let me help. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Alors viens avec moi. Je suis ton ami. Tu es mon ami, bordel! You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Mais oui! Kate, please trust me. En plus, c'est une personne que j'aime bien dans le jeu. I can help you now. Je vais t'aider. This morning, I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. Are you serious?
thank you so much. Mais oui, j'ai fait ça. That you don't care about that video and would come up here to stop me means a lot. Oh putain. Bah, je sais pas si elle a été droguée ou pas. Tu as été droguée, on va dire. I care about you because I believe you were drugged. Parce que je pense, c'est très mec ce ça. Sounds so persuasive, Max. If only. Kate, I believe you. Will you believe me? Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Mais unless I put bah, tu viens dans ma chambre dormir ensemble comme des copines. Everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm horny on the internet forever. No wonder they call it a. Mais c'est rien. Nothing can ever get out. Like my video. Franchement, on passera à autre chose dans deux mois à internet, c'est ça. Il y a des milliards de vidéos, voilà ce que je disais. Tout le monde va oublier, sois forte. Il y a des milliards de vidéos. Voilà. Cela, ça c'est moi ça. Je parle de moi. Oh god, please Max. You haven't seen the looks I get. C'était pas bon de lui dire. I understand, truly. I get bullied too. But this is a blip. Yep, my life is a blip. Blackwell taught me I'm worth. Non. Kate, you can't do this to me. Non, non, tu fais pas ça. No. Nobody cares about me. Mon Dieu, c'est intense. Ta mère, ton père, oui, il y a du genre, tes frères, tes soeurs, ton père, ta maman, c'est son père qui prend soin de lui, j'ai vu ça, ton père. Kate, I saw voilà, la carte, oui, qu'on avait vu tout à l'heure. You can count on him. He clearly loves. Et tes parents ne tourneront jamais le dos. Dad does care, even though I hurt him. Mais oui. The only one I know who believes. Oh mon Dieu, je suis dans le jeu là, je... Nobody down there wants to see you up here. This isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Max. But God put me on this roof. Mais non, il t'a pas passé sur ce toit. Je sais pas si c'est un péché, mais je connais pas la Bible là. Proverbe 21:15, ça veut dire quoi? Matthieu 11:28. Ah, c'est des cas. Attends. Le suicide est un péché. Je sais pas si c'est un péché, le suicide. Ah, et puis fuck, le suicide est un péché. Suicide is a sin, isn't it? If you believe in hell, you might end up there. I don't want that to happen. What difference does it make? I'm already in hell anyway. Mais non! Non! No! Non! Oh bordel! Oh, j'ai pas réussi, ah non! Oh putain! Ah, j'en lâche ma manette! I know this isn't pleasant for any of us, but we have to go over what happened before Miss Marsh. Before she did what she did. Officer Barry will be taking notes for the official police inquiry. I'm sure you'll give him your full cooperation. Such a tragedy. But there must be a reason for everything. We need to find out why Kate Marsh would be driven to such desperate action. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Enfin, il va répondre à ses questions. Faut qu'elle meure pour qu'elle réponde à ses questions. Oh putain. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh?
Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. J'ai pas de preuve qu'elle l'a drogué, moi. J'ai aucune preuve. Putain. Je n'ai aucune preuve. Ah putain, ce jeu est horrible. C'est tellement dense. Elle est morte, bordel, elle est morte. J'ai pas réussi à la sauver. Pour juste sur la dernière question, j'ai fait de la merde. Ah, je suis dégoûté. Oh, j'aurais dû aller voir sur internet, ça veut dire quoi, Mathieu, je sais pas. Oh là là, putain. Oh là là. Oh, en plus, j'aimais bien Kate. Oh là là. David l'a harcelé, Nathan l'a drogué. Je peux pas prouver qu'elle l'a drogué. Je peux pas. J'ai aucune preuve. Y'a rien, j'ai rien. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before our class. Then she ran off crying. Bah ouais, aussi. Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you on class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She told me Max was the only one who believed her, would take her calls and actually listen to her. She shouldn't have asked to be on video, macking with some dudes. Mais ta gueule, toi! Elle est morte, connard! Un peu de respect! On the contrary, Max was right to bring this up. Now, I wanted to help, but I guess I was too late. Il m'énerve, ce perso. Well, now, this is problematic. The publicity is rising, and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? Non! I am. We don't need any negative press about that event. And we need to involve the academy in possible disciplinary measures for you. I understand. There are bigger things. Mais non, mais oh, mais putain, j'ai fait des mauvais choix. Maybe you should investigate other staff members. Max told me she knew things about Mr. Madsen. Let Max speak for herself. Everything we talked about here will be looked into. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but ah, il est revenu! Ah! Il revient trop tard, ce pouvoir de merde! Bordel! Pourquoi j'ai pas réussi à le sauver? Pourquoi je suis pas allé sur internet? Pourquoi je me suis tapé Mathieu? Franchement, je suis dégoûté. Franchement, je suis vraiment dégoûté. Il faut que j'en revienne au choix. Alors, si je fais Nathan l'a drogué, mais j'ai pas de preuves. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her without a clue. Have you seen the video? Ouais. Whatever. Kate was loaded and playing the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Ouais, c'est saoulé, ouais. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls' bathroom? That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Ah ouais? Mais je défonce! I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and fellow student is dead. They don't need... Attends, il va juste être suspendu. Attends, on va faire une pause. On va faire une pause. Je ne comprends pas le jeu. Alors, comme à cause de cette vidéo et plein de trucs qui sont arrivés après... Ça a démarré par cette vidéo. Le mec est juste suspendu. Il a tué sa camarade. Bon, je gueule dans le micro, j'en ai rien à foutre. Il a tué sa camarade. Imaginez la même situation. Vous êtes Max.
Mais t'as le connard là à côté. Non mais mais tu le frappes de une, tu le frappes à mort, hein, voilà. Peut-être pas à mort, pour bien qu'il souffre, hein, quand même, hein. Mais c'est pas possible. Non mais je vais m'éclater la tête par terre là. Non mais merde, c'est... Et je suis suspendu. Non mais en prison, gars, ou je sais pas. Non mais oh. Pourquoi j'ai pas pu la sauver? Je vais pleurer. Non, c'est... Ah, mon Dieu. I'd like to be with my family. Je suis désolé, mes amis. Please sign here to confirm what you've told us. OK. I'll continue this. Donc maintenant, je vais juste voir ce que je peux avoir d'autre. Parce que l'autre, il a pris des photos. Alors ça, j'ai pas compris. Le vieux pervers sexuel. C'est vrai que Nathan... Mais juste suspendu, il mérite pas d'être suspendu. Le mec, il mérite de mourir. Je reviens, mes amis. Hop, juste, hashtag, il y a un poster qui est tombé. Je le remets, voilà, désolé. Voilà, donc, David l'a harcelé, voilà. On n'avait pas fait ça. Mr. Madsen was bullying Kate. Oh, grow up. Excuse me, I was there. I saw you getting in her face. You have no idea what you saw. Kate Marsh was involved with a bad crowd. I was trying to find out who. Kate had a double life. I was super shocked when I found out. No, you were part of the crowd. And like I said, I personally saw David physically harass Kate Marsh. You lying little... Hey, ça va là? This junkie's word over your security officer? I know she smokes and deals what? Marijuana. That has nothing to do with Kate. Max, falsely accusing other people seems to be a habit with you. I trust my security officer. I'll have to investigate to see if this accusation is true. Therefore, Max, I'm obliged to contact your parents and suspend you for a few days. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and fellow student is dead. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. Ouais, bouleversé, bien sûr. Bon, ça, c'est, ce choix-là est nul à chier. Ce choix-là est vraiment nul. Donc, je vais prendre. Je suis désolé, mais c'est choquant, quoi. J'ai... Putain, je suis dégoûté, quoi. En plus, c'était une de mes persos préférées, Kate. Pour dire, j'ai même mis en fond d'écran cette perso sur mon PC. De toute façon, je vais refaire le jeu. Hein. Ah mais. Why exactly were you on the roof with Kate? Je sais pas si elle serait morte ou pas. Did she tell you her plan or anything at all? Please tell us everything. Voilà. Alors, j'avais dit que Nathan l'a drogué. Ça, l'autre est suspendu. Je m'en fous, ton avocat. Prescott. Et le prof, bah, il n'y pouvait rien, c'est tout. Je sais ce que c'est parce que. Je sais ce qu'il lui a dit un peu dans le trailer et j'ai entendu ce qu'il disait un peu en anglais, j'ai un peu compris. Bouleversé. Field, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. C'est bien ça, hein, qu'on a fait. Hein. Oui, c'est Nathan. Oui, c'est ça. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. C'est la première fois qu'un jeu me bouleverse autant quand une perso meurt. Et j'ai pas eu le temps de m'attacher encore à Kate. C'est bon, comme je dis, c'est une de mes persos préférées, mais pas comme si c'était un Final Fantasy où on était 30 heures avec elle. Là, ça fait en tout 6 heures de jeu pratiquement qu'on connaît Kate, en tout que j'ai Life is Strange, et je me sens bouleversé, j'ai pas trouvé les mots. Can't believe it. It's like it wasn't even real. Watching her drop like a weight. I really thought I could save her. Like a superhero. Come on, Max. Do not for a second blame yourself. Kate was on that roof for her reasons, not yours. My hand just reached out. Stop it. You were the only one with balls enough to run to the roof. You were the only one who cared. Yeah, I sure made a big fucking difference. Maybe if more people cared, better people than me.
You're the best person around. Warren, I screwed up today. That makes no logical sense. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? Il neige? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I believe anything this week. Eh ben, je suis dégoûté. J'ai pas pu la sauver. Est-ce qu'on pouvait la sauver? Je sais pas. Ah, le prof qui s'énerve dans sa voiture. Oh, il se dispute. Ah non, c'est l'autre, le riche là. Donc c'est le prof, je sais pas. Ah si, c'est le prof, si, si. Waouh, il se passe des trucs. Putain! Ah non, mais là, ça me prend au triple. Là, je... C'est un jeu, Johan, bordel! C'est un jeu! Oh putain, mais. Oh! Je suis toujours des commentaires drôles et tu me dis là, je peux pas là. Je. Ça me fait horrible. J'ai pas réussi à la sauver quoi. Ça me prend au trip, bordel de merde. Et mes amis, cet épisode est fini. Alors, je vous invite à rester. De toute façon, je vais vous tenir compagnie. On va un peu parler de ce qui s'est passé dans le jeu. De rester à la fin de ça, parce qu'on va voir déjà le thriller du prochain épisode. Et Music by John. Oui, bah, c'est ce mec qui a fait cette musique. On le sait tous très bien maintenant. Ouais. De parler un peu de ça. Parce qu'en fait, restez là, parce qu'en fait, on verra le thriller du prochain. Un petit bout, quoi. Un petit truc. On verra aussi le pourcentage de gens. Bon, là, c'est le premier jour que le jeu est sorti. Bon, il y a des gens, je pense qu'ils ont joué genre à minuit dès qu'il était sorti. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Est-ce qu'ils ont réussi à sauver? Et est-ce que je suis le seul à l'avoir fait tuer en une phrase? Alors voilà. Alors, le jeu, c'est une globalité. C'est. Ah putain, mais. Ah, je suis dégoûté quoi. C'est une globalité. C'est tout ce forme là. C'est tout ce que tu as décidé à l'épisode 1 se passe dans l'épisode 2. Et dans l'épisode 2, bah t'es dans le caca si tu fais pas bien tes trucs. Bon, j'étais bien dans l'épisode 2. Sauf que, bah, le dernier truc, c'est. J'ai loupé quoi. C'est.
Ah, elle était déjà en enfer, mais j'aurais dû. Je savais pas quoi faire. J'arrête pas de me dire que si ce serait moi en vrai, je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais trouvé les mots, mais je sais pas. C'est tellement dur. Ce jeu me fait tellement réfléchir, mes amis. Je vous conseille ce jeu. Achetez-le, c'est 5€. C'est 4,90€ un épisode, mes amis. PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et PC. Hein, 4,90€ un épisode. Là, ça me fait en tout 10€, mais allez-y, achetez-le. Il y a un season pass à 15€ ou 20€ là pour tous les épisodes. Il y a 5 épisodes dans cette saison pour l'instant. On verra pour la saison 2. Mais pour parler du choix, c'est le truc qu'ils nous disent comme quoi le pouvoir ne marche pas. Je me suis dit, oh, c'est pas vrai. Ah, ça va être horrible. Et je me suis trompé à la fin. J'aurais dû vérifier. Non, j'aurais pas dû vérifier sur internet. C'est con ce que je dis, mais j'aurais pas dû. Pourquoi? Parce que t'as pas le temps de vérifier sur internet quand t'as un ami qui est en train de se suicider au bord du suicide, qui veut sauter. Non, t'as pas à faire ça. T'as pas le temps d'aller voir. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas, Johan, tu ne peux pas. Ah mon dieu, ça me bouffait toute la semaine, ça. De toute façon, le temps que j'ai pas l'épisode 3, ça va me bouffer. Ah, je suis dégoûté. Est-ce qu'on aurait pu la sauver ou pas? De toute façon, je vais refaire le jeu. Hein. J'en ai rien à branler. Hein. Je refais le jeu. Hein. Dès qu'il y a tous les épisodes, je refais le jeu de A à Z. Je refais. Je refais pour moi. Je refais pour voir si je peux changer les choses. On dirait que j'ai mal agi. C'est un jeu, bordel, Ivan. Oh mon dieu. Je sais pas si vous avez ressenti cette pression que j'avais. Ou cet engouement, ce truc de fou qu'il y avait à ce moment-là, genre on peut pas rewind, mais est-ce que vous l'avez senti avec moi? Je sais pas si on peut sentir ce genre de choses en vidéo, mais normalement je sors pas de blagues je sors plein de blagues dans des jeux, et là j'y arrive pas, je peux pas... Putain, mais ce jeu me redéfinit la Skydis TV, mes amis. Ah mon dieu, je peux pas, Ah putain, je crois que c'est le jeu qui m'a le plus pris au cœur d'un mort de perso, même de tout. J'ai jamais été aussi bouleversé qu'une mort de perso. Même Aris dans FF7, c'est rien pour moi comparé à elle. Aris, c'est vrai qu'on a eu le temps de s'attacher dans FF7 et tout, ok, on a eu le temps. Mais là, 6 heures de jeu, j'ai à peine pu m'attacher à elle. En plus, j'aimais beaucoup, hein. C'est une personnage que j'aimais beaucoup, comme je vous l'avais dit. Kate, c'est quelqu'un de très gentil, très refermé, que j'aime beaucoup. J'ai un ami comme ça, c'est pour ça que je pense que j'aime beaucoup. Il a pas intérêt à faire ses conneries, hein. Il faut que je sache quoi dire. Donc bref, mes amis, c'est fou. Est-ce que vous avez ressenti cette pression en vidéo? Dites-le moi dans les commentaires, ça peut être super, ça peut être un échange qui peut être pas mal. Donc mes amis, c'est faut avoir les mots, quoi. Mais là, elle était complètement là avec tout ce qui s'était passé. C'est d'abord la vidéo, après les harcèlements, la drogue. Pika qui prend en photo, mais je pouvais rien faire. Je l'ai accusé, vous avez vu? Dans une option que j'avais fait, je voulais l'accuser. Je voulais. Et j'ai pas réussi. Parce qu'il m'a dit comme quoi, tu te drogues, nanana. Et puis le directeur, oui, c'est infondé. Ta mère, c'est infondé. Ah mon dieu, best game 2015 par contre, on est bien d'accord. En fait, c'est tellement réaliste, comment dire, dans les jeux comme Final Fantasy, on va revenir à Aerys qui meurt dans FF7, ou des persos qui meurent dans les Final Fantasy, je vais pas vous spoiler d'autres jeux, mais par exemple, Aerys, c'est plus un truc, tout le monde sait qu'Aerys meurt dans FF7, quand elle meurt, comment dire, c'est moins proche, c'est pas que c'est moins proche, c'est parce que c'est un univers fictif. C'est aussi un univers fictif dans Life is Strange, mais beaucoup plus près de la réalité. Bon, d'accord, il y a le rewind, on peut changer ce qui s'est passé. Mais en changeant ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut vraiment sauver tout le monde? Et même avec ça, comme j'en reviens, c'est que c'est réaliste. Même si on peut changer mille façons, de genre quand j'ai récupéré la bouteille, puis en fait elle s'est cassée, j'ai plus rewind, j'ai plus la remettre. Mais c'est vrai que c'est pas réaliste, mais le jeu, dans l'époque où on est, c'est 2015, quoi, on est bien d'accord. Ça, c'est des étudiants comme vous et moi. Bon, je suis plus étudiant, mais c'est des étudiants comme on l'a été, ou comme vous l'êtes probablement, et de voir ça. Ah, ça me choque, c'est la première fois que je parle autant sérieusement sur un jeu. Je crois que j'ai des larmes qui vont venir avec la musique, en plus c'est complètement fou. Ah merde, c'est un jeu, Johan. Ah, Johan. Ah, une baffe. Je n'en peux plus,
Oh là là. Je trouve plus les mots. Ce jeu me prend, c'est... Mais c'est... Pourquoi elle est morte? De toute façon, j'avais dit, non, faut pas que j'aille voir sur internet les solutions et tout pour sauver un tel et un tel. Non, faut que je fasse ça comme j'avais dit dans mon let's play, comme si j'étais ouais, mais comme si j'étais là, quoi. Comme si c'est moi qui le faisais, mais sauf que là, on n'avait plus le pouvoir de remonter le temps. Et... Je suis sûr, il n'y a que moi qui a fait cette fin de merde, hein. J'en suis complètement sûr. Ou peut-être pas, parce qu'ils ont dû dire peut-être proverbe, ou il y avait quoi, il y avait proverbe avec Mathieu, puis il y en a un qui a fait un des deux, et puis il y en a un des deux qui veut dire comme quoi, bah, ça, tu peux mourir en paix, ou un truc comme ça, et puis, je sais pas, mes amis. Thank for playing, ouais, merci, mais l'épisode 3, il me le faut absolument, là, je vais craquer, les amis, c'est cette fin, s'il vous plaît. Bon, heureusement qu'il y a personne chez moi, parce que depuis tout à l'heure, je gueule. Donc, il y a quand même... Oh merde, y'en a qui l'ont sauvé, Kate! Ah, oh, j'ai pas réussi à sauver Kate! Bordel! Oh là là. Alors, viens voir. Vous avez dit d'aller voir la police à Kate. Ah putain, j'aurais dû dire des preuves. J'ai un peu merdé l'épisode. Hein. Mais on va continuer comme ça. C'est ça le truc qui est bien dans cette espèce. Et voilà, vous avez répondu à l'appel de Kate 70%. Vous avez tenté de tirer sur Frank. Non. Bah moi j'ai fait non. Vous n'avez pas essayé de tirer, donc il m'a pris son arme. Vous n'avez pas pu sauver Kate. On est quand même pas mal à pas... Regarde, c'est pas beaucoup comparé au dernier regard. Vous avez accusé Nathan. 80%. Donc voilà, là une majorité. Mais on n'a pas pu sauver Kate, ou on a pu la sauver, c'est complètement... C'est pas la majorité, quoi. C'est ça qui me réconforte aussi, c'est qu'il y en a qui ont fait la même erreur que moi, qui ont dû... J'aurais dû la sauver. Bordel, j'aurais dû la sauver. Oh, je suis dégoûté. Vous avez arrosé la plante. Oui, j'ai arrosé la plante. Ah oui, autant... Ah oui. Vous avez effacé le lien de la vidéo de Kate. Vous avez été sympa avec Taylor. Oui, vous avez accepté l'invitation de Warren. Oh, on dit 61%. Bien. Vous avez écrit un message. 61% écrit le message sur le tag, en quoi maintenant on est 3. D'accord. Vous avez trafiqué les rails. Vous n'avez pas trafiqué les rails. Non, j'ai pas trafiqué. Ah bah non, si on y aura un... ça aurait déraillé. Vous avez obtenu une invitation pour la fête du Vortex Club. Vous n'avez pas obtenu d'invitation pour la fête du Vortex Club. Il y a une fête. Ah, je suis pas allé voir. J'ai pas envie d'aller au Vortex Club. J'en ai rien à foutre. Franchement, rien à foutre. Vous n'avez pas aidé Warren. Bah si, j'ai. Ouf, ouais. Vous avez dénoncé David Jefferson. Vous avez... Hein? Ah oui, sur le truc, oui. Oui, je vois ce que c'est. Bon, ça, c'est les premiers choix qu'on avait fait du coup dans l'épisode 1. Donc, bah voilà, j'ai pas réussi à la sauver. Je veux mourir, hein, là, c'est... On dirait que j'ai loupé l'épisode, quoi, c'est... Ah, du coup, ça doit être pareil, genre, soit on la sauve, mais après, doit y avoir ça, regardez, doit y avoir aussi qui on accuse, de toute façon, ils nous auraient convoqué aussi, mais ça, c'est pas... J'ai pas pu la sauver, quoi. J'ai pas pu la sauver. Bon. Ah, voilà. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a rien eu! Mes amis, nous n'avons rien eu! Sorti pour mai 2015. Oh. Encore 2 mois, mes amis. Donc voilà mes amis, cet épisode est terminé, c'est un peu noir, hein. Je suis dégoûté de ma performance. Mes amis, on va cesser sur ça, je vais plus rien... Non, je rigole. Mais c'est... Ouais. Mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et... Mon dieu. C'est la vidéo la plus émouvante de toute Askeleton TV. J'arrive pas, Mes amis, il faut finir la vidéo là, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Putain. Waouh. C'est dur. C'est...
C'est dur à quel point un jeu peut quand même bouleverser les gens. Oh putain, j'aurais tellement aimé la sauver. Allez mes amis, je vous laisse. C'est triste, je vous quitte sur une note triste, mes amis. La triste TV rend l'antenne sur une note triste. Je suis désolé, mais ça va arriver, je pense, sur ce jeu. Allez, c'est tout le monde. La triste TV rend l'antenne et le petit Skydiz est un peu triste. Allez, ciao.